Hey les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi et aujourd'hui du coup on est là pour les défis négionnaires, donc les défis de Noël. Et du coup il y a des avant-postes à trouver ainsi que des coffres à fouiller et du coup je vais vous montrer tous les emplacements de ceux-ci. Donc avant tout les potos, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, cela nous ferait extrêmement plaisir, sachant qu'on vous a aidé, alors aidez-nous en retour les potos, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors les potos, les premières quêtes sont juste là, donc comme vous pouvez voir on a la première quête, donc visiter plusieurs avant-postes de négionnaires et fouiller des coffres aux avant-postes de négionnaires. Du coup voilà, donc on a 1 sur 5 comme vous pouvez voir, donc j'en ai déjà fouillé un parce que j'étais en live avec vous, du coup je pensais que Bukuni allait vous faire la vidéo mais il a pas pu à cause de quelques petits problèmes. Alors les potos, du coup je vais vous montrer le premier emplacement, on se retrouve directement en game. Et avant tout ça les potos, n'hésitez pas à mettre le code créateur Bukuni dans la boutique, cela nous aiderait énormément aussi. Code créateur Bukuni, B-O-K-U-N-I, voilà. Et let's go, on se retrouve pour le premier emplacement. Go. Et voilà, du coup on se retrouve en jeu. Alors sachez-le les potos, les avant-postes spawnent une fois sur deux. Du coup si vous voyez qu'un avant-poste n'est pas à son emplacement, c'est qu'il n'y sera tout simplement jamais. Quitter la game et relancer là, c'est le seul moyen de faire spawn du coup à 100% l'avant-poste. Donc sachez-le les potos, du coup pour retrouver un avant-poste très simplement, vous pouvez voir, donc il y en a déjà un juste en dessous de Catty Corner. Et vous pouvez voir du coup il y a une espèce de petite maison rouge et vous pouvez voir du coup l'emplacement directement sur la map. Voilà, si vous voyez pas ça et du coup que vous voyez plutôt une espèce de grosse verdure, c'est tout simplement que l'avant-poste n'est pas là. Du coup relancez la game et du coup vous le retrouverez. Voilà, donc on va spawn directement là-bas et on voit déjà donc la maisonnette rouge, donc c'est preuve que l'avant-poste est bel et bien là. Et voilà du coup les potos, j'atterris. Donc comme on peut voir, ça y est, on voit du coup l'espèce de petit arbre de Noël, on voit du coup toutes les maisonnettes. On peut recommencer, on peut voir hein, voilà, du moment que c'est rouge, que vous voyez le gros truc, et ben bam, vous êtes déjà donc dans un avant-poste, d'accord. Après vous avez juste à fouiller des coffres à l'intérieur de celui-ci pour faire votre deuxième défi. Donc voilà, donc on a des coffres par exemple juste ici. Hop, on peut voir donc 2 sur 5 fouiller des coffres dans des avant-postes de légère. Du coup, ce qui vous prouve que vu que j'avais pas... Voilà, j'avais 1 sur 5, c'était déjà celui que j'avais trouvé. Ça vous prouve que du coup, on est bel et bien dans un avant-poste de légère. Voilà, j'arrive, je bug un peu. Donc voilà les gars, c'était tout pour le premier emplacement. Et du coup, on va se retrouver du coup pour le deuxième. Let's go. Hey, du coup, on se retrouve pour le deuxième avant-poste. Du coup, il se retrouve entre Weeping Wood, Slurpee et Hunter's Haven. Il se trouve juste ici. Donc on va y aller directement. Let's go. Et voilà, du coup, vous pouvez voir la caractéristique d'un avant-poste. C'est typiquement du coup ce côté rouge. Et voilà, donc on va spawn directement. Donc on est en solo normal. Donc il y a des gens avec nous, mais vous allez voir du coup, hop, on spawn. Voilà, je me suis dit, attendez, what the fuck, j'arrive pas, j'y suis, mais ok, ça ne m'a rien mis du tout. Mais pourtant, ça m'a bel et bien compté le défi. Donc voilà, deuxième emplacement, encore une fois les gars, juste ici, à côté de Weeping Wounds, Slurpee et Hunter's Haven. Voilà les gars. Donc le troisième avant-poste se trouve juste ici, donc on peut le voir, donc c'est juste en dessous de Holy Edge et à côté de Weeping Wood, donc on peut voir la petite cabane juste ici, on s'y rend et je vais vous montrer du coup l'endroit, let's go. Et voilà, du coup on peut voir du coup le troisième lieu notable, donc voilà, c'est bon, on a vu en haut à gauche, troisième point, du coup avant-poste de Négionnaire. Donc on peut voir juste ici encore une fois sur la map à côté de Holy Edge et à côté de Weeping Woods. Et du coup on peut voir qu'il y a un coffre ici aussi si vous voulez du coup faire votre défi des coffres. Voilà les gars. Donc on a déjà 3 sur 5, plus que 2 avant-postes à vous montrer et ce sera fini. Hey, du coup on se retrouve pour le quatrième emplacement. Donc comme vous pouvez voir il est juste à côté de Pleasant Park. Donc voilà, on peut voir le petit toit rouge juste à côté. Je vous rappelle que vraiment les spawns sont vraiment aléatoires. Et du coup que vous pouvez soit tomber sur 40 games. Et les 40 games il y aura 0 spawn. Comme vous pouvez avoir de la chance et que ça spawn absolument tout le temps. Voilà, moi j'ai vraiment pas de bol, ça fait déjà peut-être 10 games que je relance et 10 games que je n'arrive pas à avoir les bâtiments. Mais ça y est, au moins j'en ai un qui a spawn. Voilà les gars. Donc comme vous pouvez le voir, le bâtiment il est très rouge. Voilà, on reconnaît du coup tous les bâtiments comme ça parce qu'ils sont rouges et ils ont une petite sapin avec un lama au-dessus en clochette. Donc voilà, c'est reconnaissable parmi tant d'autres. Et du coup les potos, on va spawn à l'intérieur directement pour vous montrer.
Voilà, donc il y a un coffre juste ici. Voilà, il y a un coffre juste ici, les poteaux. Et du coup, il y a un autre coffre là-bas. Donc voilà, il y a deux coffres dans ce bâtiment-là. Donc vous pouvez quand même faire pas mal de coffres. Voilà, les gars. Sachez qu'il y a aussi des avions. Les avions sont de retour. Et ça, c'est de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve pour le quatrième. Le cinquième emplacement. Cinquième emplacement. Et du coup, let's go. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le cinquième et dernier emplacement de Négionnaire. Du coup, c'est juste en bas de Steamy Stack et je vais me dépêcher parce que du coup, on arrive à la fin de zone. Voilà, donc on peut voir Steamy Stack juste à gauche avec le réacteur. Et là, du coup, c'est le dernier emplacement de Négionnaire. Voilà, donc avant-poste Négionnaire, on peut voir en haut à gauche que mon défi s'est validé, me donnant 10 000 d'XP. Et voilà, les potos. Du coup, on peut voir aussi, il y a des petits coffres. Donc voilà, je suis à 3 sur 5 et si j'avais fouillé tous les coffres, j'aurais eu du coup la fin de la quête et du coup j'aurais eu mon item gratuit. Voilà les potos, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un like et un abonnement si cette vidéo vous a guidé et du coup les potos, bah je vous retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à utiliser aussi le code créateur Bokuni et sur ce, ciao ciao avant que la zone arrive et du coup me défonce. Voilà, allez, ciao les gars.